faire. Alors on va commencer ici, 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire ici. Vous voyez un peu de place autour. Alors ici, on va même désenterrer. On n'aura pas à remettre après. Il faut commencer par faire un tour de 20 sur 20. En n'importe quel bloc. Ensuite, on viendra mettre de l'eau sur ce sur ces coins là. Je vais plutôt le faire un cran plus bas ici. On va lui laisser les 4 ici. Vous laissez 4 blocs à chaque fois dans le coin et le reste on va le vider. On se retrouve avec la pluie. On va faire un mur de 2 de haut en lui laissant un espace de 2. Fait. Ici, ce sera l'endroit où tous les PNJ vont pouvoir cultiver et se reproduire. Donc on va commencer par déjà éclairer tout le tour, pour avoir de mauvaises surprises. Normalement, avec 2 blocs de haut, on est relativement tranquille. On va mettre des barrières en pierre, ce qui coûte le moins cher. On va faire ça tout le long des quatre côtés.
ça va être pour retenir les PNJ. Surtout pas qu'ils aillent au milieu. Une ferme assez simple, mais qui est pas mal productive. Infinie. Les seaux d'eau, et on va aller inonder tout le milieu. Évidemment, il y a un sens, on peut pas faire n'importe comment. On va déjà commencer par placer de l'eau partout sur les quatre côtés. Surtout n'en posez pas sur la sur les blocs de terre à côté dans les coins. On va retirer. Normalement, vous avez quatre blocs au milieu. On va retirer les blocs de terre et on va mettre l'eau, non pas dans le coin, mais un bloc plus haut. Si vous n'êtes pas sûr, mettez d'abord l'eau et puis retirez les blocs après. On met sur le deuxième. Et on va faire ça aux quatre coins. Trompez pas, parce que si vous mettez de l'eau, un seau d'eau dans le coin, c'est terminé, il y aura plus de courant. On va tout recommencer. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, placez l'eau avant de casser la terre. Normalement, que vous soyez n'importe où, ça vous ramène au milieu. C'est ici que tous les golems de fer vont spawner. Enfin, ça s'est arrêté. Alors, j'ai été chercher pas mal de portes et on va mettre des portes tout le tour. Voilà, alors on m'a amené deux PNJ, un fermier et alors un bibliothécaire, ça peu importe le deuxième, c'est pas grave. Et maintenant on va s'attaquer au deuxième étage. Donc on va monter trois blocs, remettre des portes, comme ça nous fera 160 portes. Avec ça, ils vont pas mal se reproduire. Donc on fait vite ça et on se retrouve après.
fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'arrivée des golems. Donc on va déjà vérifier. Bon, la montagne elle est par là. Vérifier les coordonnées. Essayer de retrouver l'entrée au bout du couloir. Ça, on ne devra pas sortir après. 1715, 63, 235. À se reproduire. Retrouver ça dans le tunnel. Et on va faire le récepteur de golem de fer. J'éclaire un petit peu plus par ici parce que pas mal de mobs qui spawnent. Voilà, donc les PNJ, les golems, pardon, vont arriver ici. On va faire juste le plus basique, ils vont tomber, ils vont toucher la lave et ils vont nous donner des lingots et des roses. On va mettre coffre. Développeur. Vers le coffre. On va fermer. Je me suis trompé. Il est un devant. Ici. Là.
très joli, mais ça éclaire quand même pas mal. On va aller chercher des lampes dans le nether. C'est la première étape. Donc les golems, eux, ils vont arriver ici. Là, ça se verra. Se refaire un coffre. Je pourrais les faire directement aller dans le coffre. Change rien, mais je préfère. Alors maintenant, il va nous falloir des pancartes. On va les mettre à 2 de haut par rapport au hopper. Ça va cacher un petit peu. Je vais les mettre plutôt sur le côté. Ça va cacher un peu la lumière, mais bon. Elle va coincer. La carte était bonne, c'est le vert qui est pas bon. Les golems, ils font 2,5 de haut, donc ils vont avoir la tête dans la lave. Ils vont être brûlés par la lave. Et on n'aura plus qu'à venir de temps en temps récolter. Je vais essayer quand même de venir me mettre AFK ici. On va garder le même pattern que le couloir. Des bûches de chaque côté. Et voilà, mais il n'y a plus qu'à attendre que ça spawn au-dessus. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. À faire la déco ici. Alors évidemment, pour faire la déco de la salle, il nous fallait un biome Mesa. Bon, j'en ai trouvé un pas trop loin. On a un petit portail juste en dessous et on n'a plus qu'à aller farmer. Bon, j'aurais peut-être pu faire le portail un peu plus près encore. Je le ferai pour la prochaine fois. Pour le moment, il me faut juste un peu de Mesa. Blanche et brune, ce serait pas mal. Donc on va vite aller farmer tout ça. Thank you.
Un petit peu, bon, j'y retournerai pour faire des réserves. Mais pour le moment, on va se contenter de ça. Et on va commencer la déco. Voilà, bon, j'ai fait une déco assez simple. Tout en bloc, en escalier, et avec un petit peu de clé blanche derrière. Je vais refaire tout le plafond. Ah bien, voilà Tali. C'est chouette. Comme ça, on va pouvoir faire le trieur de PNJ ensemble. Voilà. Eh bien, on avance un petit peu sur la déco. Tara, elle est en train de faire le trieur. Bon, je vous expliquerai certainement quand elle aura fini. Là, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer comment ça fonctionne. L'idée de base, c'est que les PNJ vont arriver, 5 PNJ différents vont arriver au-dessus. 6 même. On va pouvoir les trier, voir s'ils sont bons ou pas. Et puis ou on les met dans une petite case, un petit box, ou on les mène pour les tuer, soit avec de l'eau, soit avec du feu. Mais quand la machine sera finie, ce sera un petit peu plus facile de vous montrer, de vous expliquer. Les meilleurs se trompent. Alors, on va continuer à faire la déco. Bon, pareil que celle-ci. J'ai préféré mettre de la vitre bleue avec un filet d'eau en dessous. Je trouvais ça pas trop mal. Je passe sans mettre de l'eau. Chez elle, elle va pas être heureuse. Ici, c'est bon. Le bord, donc ça, c'est bon. Donc il n'y aura pas d'eau chez elle. Eh ben, écoutez, nous, on va finir toute la salle, donc on va essayer de finir. Tout ce qui est déco, Terali va finir la machine. Et puis, je pense qu'on en a encore pour un bon moment. Ça sert à rien de vous montrer. Bon, ça sera toujours la même chose. Donc, on va en rester là. Et la prochaine fois, je vous montrerai toute la salle avec la machine fonctionnelle. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.